Man, qui est un grand bonhomme qui se promène avec l'air épeurant. Donc on va essayer ça. Comme qu'on peut voir, on voit pas grand-chose. Mais c'est fait avec Unreal 5, donc les graphiques sont beaucoup améliorés par rapport à avant. Et qu'on voit absolument rien. Ah, il y a une note là-bas. Ça va être bon pour essayer de me rendre. Une sur huit. Pas bien beau pour aller se promener. Ah. Faut pas éteindre la lampe de torche. Oups. Quand ça griffe de même, c'est qu'il est pas bien loin. Non! Pas tant! Non! On va le voir par là. Attends. Laisse pas grand break. Hein. Ah! Ah! Il m'a eu. Bon, coudonc, ça n'a pas été long, j'ai réussi à trouver une page. On recommence. Il est moins épeurant que je pensais, là. Je réessaye un jeu officiel de Slenderman. Il me semble que c'est plus stressant que ça. L'ambiance est à pire. Run! Tu peux t'attraper? Oui, ok. Pas le temps de rien faire, puis me cours après. On va aller voir dans le bâtiment. On voit pas grand chose. Il n'y avait rien dedans, on va le voir dehors. Ah! C'est quoi? Est-ce que... Ça me fait peur avec pas grand chose, non? C'est pour ça que c'est rare que je joue à des jeux d'horreur. Ok. Bon, on a fait le tour du building, il n'y a pas de page. Je ne sais plus pas à tout où aller, on va le voir là. Jumpscare de audio, mais il se passe absolument rien. Donc l'impact est limité, on va pas le tuer la première fois. Mais... Ah, je pensais quoi là-bas? Le bonhomme va pas vite. Ah. Deux pas. Ok.
Next. Mais là, j'y étais tantôt. Non! J'ai même pas vu. Non. Il me semble qu'il était plus apparent que ça avant Slenderman. Ok. Il y a un troc à l'autre bout. Une note ici. Donc c'est bon. Un autre truc. Attrapé, oui, 2 sur 8. Ok. Will we succeed this time? Tellement rien. Il y a une note là-bas. Rien. Et puis je suis où? Ok. C'est ça. Artefact. Bon. Ah! C'est bon pour ça. Il est moins peurant que je pensais, comme je disais tantôt, Frank, là. Il y a des petits jump scares d'audio. Vidéo, il se passe pas grand chose. Il meurt. De façon un peu trop instantanée des fois là. Il me semble que le jeu original est mieux fait. Au moins du côté de l'ambiance. Oh, on en a 4. Run! 4 notes, faut plus rien. Faut plus rien. Ben là. Parce quoi? L'arme de poche était trop longue. M'en mourir. Faut plus rien. Ça n'a aucun sens. Quoi, c'est le ciel? Je vais te planter, coudonc. Me fait même pas attaquer en plus. Ouais, je suis un peu déçu. Je vais essayer une dernière fois, là. Sinon, ben, on tombait avec une vieille version de Slenderman.
Je pense que j'ai été trop lent, fait que ma lampe de poche est tombée à plat. C'est un peu niaiseux, je trouve, là. On meurt pas, il se passe rien. J'ai trouvé la route. La route est là. Un autre note ici. Les graphismes sont corrects. Le Slenderman qui est pas vraiment épeurant, je trouve. Il a l'air trop statique. Ah, il est là. Je regarde pas. Ça sauve. Encore là. Ah, il est là. Attends. Il semble que je suis rendu loin, pas mal. L'air avoir absolument rien par là. Ah, va-t'en! Il ne longe pas. Je suis rendu, mais en tout cas, il y a une note là. Hop, il est là. Attends. Non. Faut que je m'arrête bien, bien. Là. Je vais aller par là-bas, moi. Si ma flashlight tough. Est tough. Que ça... 3 sur 4. Non! Ah. Bon, ben, c'était ça qui est ça. Donc, ça vaut pas vraiment la peine de télécharger ce jeu-là tant qu'à moi. Là, on va essayer la version classique, peut-être après, là, si j'ai le temps. Donc, merci d'avoir visionné. Bye bye.